Les oignons sont des aliments bénéfiques pour tout l'organisme. Cuits, crus ou infusés, ils détoxifient le corps et possèdent des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Rien de tel pour lutter contre les maladies liées au froid. Cette astuce de grand-mère vous laissera bouche bée. Saviez-vous que mettre des tranches d'oignons dans vos chaussettes pendant la nuit pouvait vous permettre de profiter de manière optimale de l'effet de ces légumes? Focus sur les bienfaits épatants de l'oignon. L'oignon cache bien des surprises sous ses multiples couches. Saviez-vous que cet aliment avait des propriétés protectrices du système immunitaire? Avec cette astuce issue de la réflexologie plantaire chinoise, vous saurez comment lutter contre le rhume ou la grippe efficacement. Les bienfaits des oignons sont une excellente source de nutriments. Peu caloriques, les oignons constituent une source inépuisable de nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Riches en vitamine C, ils permettent de lutter efficacement contre les radicaux libres qui circulent dans le corps. Et ce n'est pas tout, les oignons renferment de la vitamine B9, B6 et K et du potassium. Une raison de les inviter dans nos plats d'hiver comme dans nos salades d'été. 2. Un bouclier du système cardiovasculaire. Consommer de l'oignon est une saine habitude pour se prémunir contre les maladies du système cardiovasculaire. Les antioxydants et les composés actifs de cet aliment sont efficaces pour diminuer les triglycérides et le mauvais cholestérol présent dans le sang. Selon une étude menée in vivo, la consommation d'oignons améliore la santé cardiovasculaire. 3. De l'oignon pour prévenir l'obésité. Pour prévenir l'obésité, rien de tel que de consommer de l'oignon régulièrement. Manger cet aliment permet de réguler la présence de lipides dans le sang, notamment chez les personnes diabétiques. Une étude menée in vivo permet de conclure que 5% d'extrait d'oignon consommé sur 28 jours permet de diminuer les taux de sucre dans l'organisme et la graisse corporelle. 4. Un antibactérien puissant. L'oignon est un puissant antibactérien. Il est tellement efficace qu'il aurait le pouvoir de lutter contre des bactéries telles que les Escherichia coli. La quercétine, l'agent actif de l'oignon, est à l'origine de ses étonnantes propriétés antibactériennes et antifongiques. 5. Stimule la santé digestive. Grâce à sa richesse en fibres et en probiotiques, l'oignon aide le système digestif à produire des acides gras. Ce sont ces derniers qui permettent d'améliorer la digestion et de réduire les inflammations. 6. Soulage les symptômes du froid. À l'instar de l'ail, l'oignon est une excellente alternative naturelle au traitement classique contre la grippe. Sa richesse en vitamine C et à permettre de combattre le rhume et d'en faire un remède décongestionnant naturel. Cette étude confirme que l'oignon est une plante recommandée lors de ses maux fréquents en hiver. 7. L'oignon, pour solidifier les os. Ajouter des oignons permet de garder des os forts plus longtemps. Selon cette étude réalisée sur un panel de 24 femmes après la ménopause, l'oignon est efficace pour consolider la densité minérale des os. En cause, sa richesse en antioxydants. Mettre de l'oignon dans ses chaussettes, pourquoi? Cette astuce nous vient tout droit de Chine. C'est la réflexologie plantaire, une discipline millénaire, qui promeut l'idée selon laquelle certains points donnent l'accès direct à certains organes. L'oignon au contact de la voûte plantaire permettrait d'éliminer les symptômes liés aux maladies du froid. Voici sans plus attendre comment procéder pour mettre en place cette astuce de grand-mère. Prenez un oignon biologique et coupez-le en plusieurs tranches. Ensuite, mettez une tranche sous chaque pied que vous envelopperez par une chaussette. Le matin, retirez les chaussettes et jetez les tranches. Répétez l'opération jusqu'à guérison. Mise en garde, l'oignon peut être indigeste pour les personnes souffrant de troubles gastriques tels que le syndrome de l'intestin irritable. Il doit donc être consommé avec modération.